Proverbe 3.11 Mon Fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, apprends de tes erreurs et des épreuves qui viennent à travers sa discipline. N'est-ce pas bon Apprenez de vos erreurs. Une chose à propos de faire des erreurs, si vous n'apprenez rien d'autre, apprenez à ne pas refaire cela. C'est pour cela que parfois, c'est sage, si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire de votre vie, d'essayer quelques trucs parce que si ça ne marche pas, au moins vous savez que ce n'est pas cela. Mais ce que nous devons faire, c'est dépasser cette peur anormale d'avoir tort. Nous ne pouvons pas supporter penser que nous avons tort ou que nous devrons dire à quelqu'un que nous avons tort. Nous disons aux gens ⁇ Oh, Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela ⁇ Et puis quand ça devient clair que Dieu n'a pas dit cela parce que ça ne marche pas, alors nous faisons une autre erreur en essayant de la couvrir avec une autre excuse. Je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas juste dire ⁇ Je pensais que c'était Dieu mais ça ne l'était pas ⁇ Tout le monde passe par cela et nous irions beaucoup mieux si nous étions juste honnêtes à propos de trucs comme ça. Nous apprenons tellement des expériences de la vie. Dieu nous parle à travers nos propres pensées. Et cela ne veut pas dire que toute pensée est de Dieu, mais c'est comme l'une de ces pensées, ointes, c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous vous sentez bien à ce sujet, ça semble être bon. Proverbe 16, 3. Dit, recommande à l'Éternel tes œuvres, confie-les complètement à Dieu. Il rendra tes pensées conformes à sa volonté et tes projets réussiront. N'est-ce pas bon? Donc, parfois, et j'espère que vous voyez, que beaucoup de cela est simplement. Ce n'est pas de rester à flotter sur notre nuage surnaturel. Oh, c'est une.